Eh bien, musique pas bête à 1 an. Tout juste 1 an et on est en réimpression. Je ne sais plus combien il y a de réimpressions, mais en tout cas, ça marche bien et je suis vraiment ravi de ce projet Musique pas bête. La base de Musique pas bête, c'est une émission de radio que j'ai animée pendant longtemps sur France Musique qui s'est intitulée Classico Dingo et qui était une émission destinée aux enfants et qui pouvait m'appeler pour me poser toutes les questions qu'ils avaient envie de me poser autour de la musique. Et puis de là, les éditions Bayard et Radio France ont voulu en faire un livre. Et de ce livre, eh bien, on a essayé de profiter des meilleures questions que les enfants ont pu nous poser pendant l'émission de radio, de les choisir comme qui a inventé la musique, ou à quoi ça sert le jazz, ou est-ce qu'il faut avoir des grosses joues pour jouer de la trompette, tout ce genre de questions très très drôles et en même temps absolument passionnantes, eh bien, on les a intégrées dans ce livre Musique pas bête en partant des questions des enfants et on a essayé d'y répondre de manière pédagogique évidemment, le plus sérieusement possible sur le fond, mais de manière extrêmement drôle sur la forme, grâce notamment aux illustrations de Pascal Lemaître, qui est un illustrateur pour moi formidable et qui fait des gros bonhommes, des personnages un peu rigolos, des instruments rigolos. Et donc Musique pas bête, c'est vraiment comment essayer de transmettre notre passion de la musique aux enfants et expliquer que la musique, bah, c'est surtout une histoire de partage, une histoire d'écoute, une histoire d'émotion aussi. Et j'espère que ça passe à travers le livre. En tout cas, j'ai l'impression que les jeunes lecteurs en sont plutôt contents et ravis, donc tant mieux.